بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلاميذ، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين لهذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتفوق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تقدم إليكم دائما كل ما تحتاجونه من دروس الدعم في مادة الرياضيات واللغة الفرنسية، سواء بالنسبة للسن الابتدائي أو الإعدادي. قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تطلب دائما منكم المزيد المشاركة في هذه القناة بكثافة، وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيع ديالكم واللايكات والكومنتات والبارتاج ديال هذا الفيديو لكي تعم الفائده ولكي تشجعوننا دائما على المزيد من العطاء من الدروس. وشكرا شكرا جزيلا لكم. بونجور ا توس، بونجور ا توت، بونجور ا تيليفون دو ما شين. جيسبر كو زالي توجور تري 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 بيان. كوم دابيتود ما بريزونس اوجوردي سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون دو لا لانغ فرونسيز. سيت اون لوسون ديستيني اوز ايكوليي اي اوز ايكوليير دو لا بروميير اني سيكل كوليجيال. Soyez attentif et suivez bien. Donc, première année cycle collégial, le but de la leçon, situer une action dans le temps. Situer, maintenant, ça m'a dit, il y a un hadith, un événement, puis une semaine. Situer une action dans le temps. Mise en situation. Maintenant, il y a un truc qui est là, un truc. Pourriez-vous préciser la date d'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me donner la date d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2023. Donc, on a ici situé la date de l'événement de l'action. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites maintenant à ce moment-là, le 4 avril 2023? Alors, nous sommes maintenant dans la classe, nous sommes en train d'apprendre le français. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la classe? Quand on apprend le français. Quand est-ce qu'on apprend le français? Le 4 octobre 2023. Donc voilà le but de la leçon. Donc ici nous avons la mise en situation. Donc aujourd'hui, à partir de ces deux questions et les réponses, l'objectif de notre leçon, bien le but de notre leçon, c'est de situer une action dans le récit. Dans le récit. Alors, je lis et je comprends le texte 1 et le texte 2, c'est un support qui est composé de deux textes. Aujourd'hui, lundi 5 octobre, l'enfant examine l'ordinateur de son père, hein, que son père lui a acheté. Hier, voilà un vide des pointillés. Demain, voilà le vide des pointillés. Il se montrera, hein, donc il se montrera, c'est un verbe qui exprime le futur, donc on va changer la date. À son meilleur ami. Le texte 2. Ce jour-là, l'enfant examinait l'ordinateur que son père lui avait acheté. La veille, le lendemain, il le montrait à son meilleur ami. Donc, nous avons le texte, hein, le texte 1 et le texte 2. Alors, nous avons ici le aujourd'hui dans le texte 1. Et dans le texte 2, on a remplacé par ce jour-là. Dans le texte 1, nous avons le verbe examine au présent. Dans le texte 2, on a employé examine à l'imparfait. Dans le texte 1, nous avons à acheter au passé composé. On a remplacé par avait acheté le plus que parfait. Et nous avons hier, on a remplacé par l'avait. Et demain, on l'a remplacé par le lendemain. Et le verbe se montrera au futur, on l'a remplacé par le montrer au conditionnel présent. Donc voilà les deux textes. Donc je passe à notre tableau pour commencer l'explication, l'observation, etc. Bien. Alors nous avons. Nous avons ici observation dans la Hava, combien de textes y a-t-il dans le cycle? Dans le cycle que nous avons vu, que nous avons lu, il est composé de combien de textes? Dans la réponse, deux textes.
Il y a deux textes, le texte 1 et le texte 2. Dans le texte 1, qui est-ce qui attire l'attention? Qui est-ce qui attire l'attention dans le texte 1? C'est la date, lundi 5 octobre, et le vide, les pointillés. La date et le vide. Il y a le vide en les pointillés. Construction du sens. Il a complété le vide dans le texte 1. Alors nous avons, dans le texte 1, nous avons. Nous avons aujourd'hui lundi 5 octobre. Donc, hier, alors le lundi 5 octobre, donc hier, ça sera le dimanche 4 octobre. Et nous avons lundi 5 octobre, demain, ça sera mardi 6 octobre. Donc, lundi 5 octobre, hier, dimanche 4 octobre, demain, mardi 6 octobre. Complétez le tableau suivant. On va essayer de compléter le. Souvent, nous avons le texte 1 et le texte 2, nous avons les indicateurs de temps, le mot chiffre semaine. Dans le texte 1, nous avons aujourd'hui, aujourd'hui lundi 5 octobre, nous avons hier, nous avons demain. Ce sont des marqueurs temporels qui expriment le présent, le futur et le passé. Dans le texte 2, nous avons ce jour-là, la veille et le lendemain. La veille, ça veut dire hier, le passé, demain, le lendemain, aujourd'hui, ce jour-là. Donc, l'hiver, en ce qui concerne l'hiver et le temps, pour le texte 1, nous avons examiné le présent, nous avons acheté le passé composé et nous avons montré le futur. Dans le texte 2, nous avons examiné le parfait, avait acheté le plus que parfait, nous avons montré le conditionné présent. Très bien. Alors, troisièmement, relier les indicateurs de temps du texte à ceux qui le correspondent dans le texte 2. Donc, il y a des indicateurs dans le texte 1, il y a des indicateurs dans le texte 2. On va les relier pour qu'on va relier l'indicateur dans le texte 1 avec celui qui convient dans le texte 2. Nous avons aujourd'hui dans le texte 1, dans le texte 2, ce jour-là. Nous avons dans le texte 1 hier, dans le texte 2, la veille. Et nous avons dans le texte 1 demain, et nous avons dans le texte 2 le lendemain. Donc, voilà des indicateurs qui correspondent. Des indicateurs qui correspondent. Bien, je termine l'explication. Alors, quatrièmement, préciser le moment de l'énonciation. Préciser, alors, notre zaman vient un autre dans chacun des deux textes. Dans chacun des deux textes. Alors, non, le texte 1 et le texte 2. Dans le texte 1, le passé, son père lui a acheté. Hein, son père lui a acheté hier, hein, un PC, bien. Hein. Nous avons le présent aujourd'hui, l'enfant examine. Aujourd'hui, l'enfant examine, donc voilà le présent, voilà le marqueur temporel. Nous avons le futur, demain et l'endroit. Donc voilà le marqueur et voilà le verbe. Voilà le marqueur et voilà le verbe. Son père lui a acheté hier, voilà le passé composé, voilà le marqueur temporel qui exprime le passé. Dans le texte 2, nous avons ce jour-là, l'enfant examiné, l'imparfait, lui avait acheté le plus que parfait, la veille, lui avait acheté la veille, et le lendemain, il le montrerait. Le conditionnel. Alors, le lendemain, le conditionnel, la veille, le plus que parfait, ce jour-là, l'imparfait. Voilà. Conceptualisation, ça se voit, situer des actions par rapport au présent. Situer des actions, ça ne va pas dire l'adresse, par rapport au présent. Alors, maintenant, hier, voilà, hier, nous avons ici vers le passé, hein, vers le passé, nous avons ici aujourd'hui, hein, aujourd'hui, et nous avons demain, et nous avons vers le futur. Donc, aujourd'hui le présent, demain le futur, hier le passé composé, ici vers le passé et ici vers le futur. Situer des actions passées par rapport au présent. Des actions passées par rapport au présent. Alors nous avons la veille, le plus que parfait, nous avons ce jour-là l'imparfait, et nous avons le lendemain, le conditionnel présent. Et nous avons aujourd'hui le moment du récit.
Aujourd'hui, le moment du récit. Le lendemain, condition est présent. Ce jour-là, l'imparfait et la veille, le plus du passé. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de ces explications. À la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.